est reparti pour quelques jours de vlog. Donc là aujourd'hui on est mercredi. C'est la suite du vlog de la semaine dernière, puisque comme on était déjà à plus d'une heure et demie, j'ai dit je vais couper quand même. Donc là aujourd'hui j'ai testé les fossiles et la colle de chez Makeup Revolution. Donc les fossiles sont très très beaux. Si vous pouvez les voir, ils sont très très jolis. C'est les numéros 4, c'est le Naturel Wispy Lashes. C'est ce packaging là, si vous voulez les... Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a une bande clear. J'aurais préféré une bande noire, comme ça on voit moins. Vous voyez, je trouve qu'on voit quand même le... Et la colle, je la trouve pas trop sans ça. Je trouve qu'elle fait beaucoup de marques, elle est à base d'eau, donc je suis pas forcément super fan de la colle. À tester avec d'autres fossiles, voir ce que ça donne. Voilà, mais ils sont très jolis au niveau de la truc. Je suis pas sûre que la colle tienne toute la journée. Comme je vous le dis, je suis pas sûre parce que ça se décolle déjà ici sur le coin. Pourtant, j'ai bien insisté sur les coins et j'ai essayé d'en remettre, mais ça fait des pâtés, donc ça va pas aller. Faut que ça tienne jusqu'à cet après-midi que j'aille chercher Enzo. Après, c'est pas grave si je les enlève. En parlant d'Enzo, ils sont arrivés à Ouistreham à 7h30 ce matin. Et ils sont arrêtés vers 9h pour prendre le petit déjeuner en route. Et là, ils sont sur le chemin. Donc, je pense qu'il va m'envoyer un petit message quand il sera arrivé à peu près dans la région parisienne, aux alentours du collège. Comme ça, je saute dans la voiture, je me gare et je le récupère. Ils devaient reprendre les cours vendredi. Finalement, la directrice leur a laissé jeudi, vendredi de repos. Parce que, ça fait beaucoup de voyages en... 3 jours on va dire, ça fait presque 30 heures de voyage en 3 jours, donc c'est énorme. Donc du coup ils ont un petit peu quartier libre, donc ce qui va permettre à Enzo de réviser ses jeunes sapeurs-pompiers pour samedi, voilà, et de remettre tout en route et de se reposer un petit peu. S'il y a des devoirs qu'il n'avait pas fait pour la semaine prochaine, je ne sais pas trop s'il y en avait ou pas, j'en sais rien. Donc voilà, de mettre ça en route. Normalement l'arrivée est prévue pour entre 13h30 et 14h cet après-midi. Ah! Donc, au niveau du piercing, là, cette nuit, j'ai un petit peu eu mal pour dormir. C'est pas facile parce que les tiges sont assez longues, donc ça accroche. Donc, je pense que quand ça va commencer à cicatriser, ça va me faire moins mal. Ça va être lors de une ou deux nuits. Donc, pour le make-up aujourd'hui, j'ai utilisé la palette Maxi Reloaded, toujours la Monster Matte, et la Norvina, la Volume 1, où j'ai utilisé le fard qui est magnifique, un fard, hein, le MAF. Sinon tous les mats c'est là. Oh, j'ai utilisé le B3 qui est juste ici, qui est un joli rose très très pailleté, il est très joli. Et donc pour les lèvres j'ai fait un petit duo de un Jeffree Star, c'est le Diva dans les roses, je sais pas si on peut encore le trouver. Et j'ai mis un gloss par dessus, le Synergy de chez Stila, vous savez c'est mes gloss préférés en ce moment. Donc la petite tenue, j'ai mis un petit pull, enfin un t-shirt de chez Shein, qui est plus dispo. Donc voilà, avec, vous savez que c'était avec la photo, avec les nœuds dans les cheveux. Je vais mettre mon gilet long, je pense, pour ce matin. Je pense, et puis wali walou. Donc le programme de ce matin, là il est déjà 11h15. Avant que ce matin, j'ai passé mon aspirateur, j'ai passé ma serpillière et tout. J'ai fait mon petit ménage ce matin, comme ça c'est fait. Je sais que j'ai un colis ce matin, je ne sais pas trop de quoi, donc on verra ce que c'est. Et puis je vais aussi aller préparer mes petits sachets pour parfumer mes tiroirs. Je vous fais voir comment je fais. Je râpe du savon, je mets dans les petits sachets et après je mets dans les tiroirs. J'ai pas mal trié hier ici mon coin ongle. J'ai pas mal trié hier mon coin ongle. J'ai vidé en fait 1, 2, 3, 4, j'ai vidé 5 tiroirs et j'ai re-rempli, je vais vous faire voir. Donc là il y a mon gilet qui est là. Et j'ai re-rempli en fait mon coin ongle. Donc ça je vais sûrement le mettre à vendre, c'est des chablons finalement. Je ne fais pas de pose au chablon, donc il est tout neuf. Je crois que je l'avais même pas testé une fois. Donc je vais vous mettre à vendre sur Vinted. Et là j'ai des petits que j'ai reçus hier, donc je les ai catalysés hier. C'est de chez Band Pretty Store. C'est les vernis semi-permanents. Donc là, je vais regarder sur Amazon ou sur AliExpress pour me trouver des petites étagères pour mettre en fait d'un bout à l'autre. Ça, je vais l'enlever parce que j'ai remis pas mal de colliers. Là, il faut que je refasse du tri. J'ai encore cela à trier. Et
Donc je disais, oui, j'ai mis dans mes tiroirs, vous voyez, j'ai commencé à trier tout ce qui était pour les ongles. Donc là, on a les strass, on a tout ce qui est métallique, on a tout ce qui est un peu fruits colorés. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mis tout ce qui était mes poudres pour... vous voyez, c'est les poudres brillantes pour faire un petit peu métallique. Ici, on a tous mes petits water decal et puis les nice stickers, etc. Ah, ça passait, ça passe plus. Ici, j'ai mis tout ce qui était paillettes. Alors là, on a toutes les paillettes, genre les tous, les sequins, les choses comme ça à coller. On a les paillettes, tous les vernis pailletés, les paillettes de chez Action. D'ailleurs, j'ai testé hier... vous avez vu dans le précédent vlog, j'ai testé ici les paillettes de chez Action qui sont pour loisirs créatifs, mais top sur les ongles. Ensuite, ici, j'ai mis tout ce qui était pour le foil avec la colle à foil. Donc, j'ai encore des choses vides. Ici, c'est vide. Donc, j'ai encore un ou deux tiroirs à trier, notamment tout ce qui est pour le stamping. Ici, c'est tout ce qui est acrylique powder, donc c'est-à-dire la poudre acrylique, mais vous savez, avec toutes celles que je faisais avant en pose. Donc, je pense que je vais jouer entre les deux, pose américaine, pose acrylique powder. Ici, on a pour tout ce qui est un petit peu pour la pose américaine. Là, j'ai tous mes gels, mes bases, mes top coats, etc. Mes petits papiers pour faire la dépose. Ici, on a quelques gels et tout ce qui est soins cuticules. Ici, j'ai mis... là, il y a des vernis semi-permanents. Ici, on a tout ce qui est acrylique powder. Donc, c'est-à-dire l'acrylique avec le primer, là. Enfin, pas le primer, mais l'acrylique liquide. Vous voyez, avec le pinceau, etc. Donc ici. Et les deux autres tiroirs, pour l'instant, c'est vide. Mais je pense qu'il y aura sûrement le stamping, etc. Donc voilà un petit peu, ça prend forme. Ça prend forme et du coup, bah, j'ai récupéré 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, 4 tiroirs que j'ai vidés. Puisque celui-ci, il y a encore tout ce qui est pour le stamping. Ici, il y a tout ce qui est un petit peu le backup, on va dire. Et le reste, c'est vide. Donc, voilà, je pourrais récupérer tout ça pour le make-up. Bon, je pense que ici, ça sera pour tout ce qui est en stand-by de test. Voilà. Donc, je vais éteindre un petit peu tout ça. Je vais aller préparer mes petits sachets. J'ai pas mis de parfum. Je vais mettre ça en parfum aujourd'hui. J'ai pas encore mis le parfum. C'est de chez Nox. Hein. Mon code promo est valable toute l'année. Et il est valable quand il y a des promotions. Il est valable. En plus, il se cumule. Donc, c'est top. Celui-ci, c'est le 24-21. C'est l'interdit de chez Givenchy. Donc, je vais juste mettre là pour pas mettre trop de parfum sur où il y a le piercing. Et je vais vous faire voir la box bijoux puisque je l'ai reçue hier. Donc, je l'ai déjà présenté sur Instagram. Mon code promo, donc là, au moment où vous voyez le vlog, je pense que le 9 est déjà passé parce qu'on a au 9 du mois. Donc, si vous voulez recevoir celle du mois prochain, le code promo est toujours valable. Donc, je vous présente ça tout à l'heure. Je descends, j'ai mis le parfum, c'est bon. On prend le gilet et je vous retrouve au rez-de-chaussée. Le chéri qui est repassé par ici, il est venu redéposer le petit camion. Il est reparti avec le grand camion, etc. Donc... comme je vous disais, j'ai reçu donc hier la box bijoux. Quand vous verrez le vlog, le 9 mars sera déjà passé. Mais je vous ai partagé la box sur Instagram pour que vous l'ayez en avant-première. Donc, si vous voulez la box de ce mois-ci, donc du mois prochain, donc le mois d'avril, vous avez un code promo qui est le code VAL20. Je vous mets à l'écran. Vous pouvez choisir donc soit en doré, soit en argenté, soit en finition dorée. Dans toutes les boxes, quelle que soit la finition, c'est les mêmes bijoux. Donc, on a 4 bijoux à chaque fois. Ils sont en acier inoxydable. Donc, si vous êtes allergique, ça ne bouge pas. Je porte ces bijoux-là quasiment tous les jours. Je me douche parfois même avec. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte plusieurs bijoux de ma box bijoux, notamment en bracelet. Je vous ferai voir après. Donc, dans cette box pour le mois de mars, nous avons un bracelet argenté. Donc, moi, j'ai choisi en argenté. Je pense que le mois prochain, je recevrai en doré. Je l'espère. Parce qu'il y a encore eu un petit cafouillage, donc c'est pas grave, je la reçois gracieusement, donc je vais pas me plaindre, mais voilà, la prochaine fois j'espère bien l'avoir en doré. Donc vous avez un bracelet avec un genre de cabochon fumé avec des toutes petites perles, donc qui rappellent le collier, qui est un petit peu plus épais au niveau du maillon, donc c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais moi, je pense que je mettrai une petite chaînette d'extension pour le porter en accumulation avec d'autres. Et on a des petites pampilles.
Les boucles d'oreilles qui sont un petit peu en façon 2 en 1. Vous pouvez les porter qu'avec le petit genre de petit rectangle sur le devant ou alors mettre ça sur l'arrière. Voilà, donc vous pouvez les porter, ça fait un petit peu 2 en 1. Et la bague, gros coup de cœur pour la bague. Donc j'aime beaucoup le bracelet, les boucles d'oreilles et la bague. Un peu moins fan du collier. La bague est très très jolie. C'est un genre de, vous voyez, d'un éventail avec un genre de cabochon noir. Donc elles sont toutes réglables. Donc là, je ne l'ai pas encore réglé. Donc moi, en général, je les porte à ce doigt-là. Et je vous disais que au poignet, je porte une accumulation. Donc déjà, c'est les trois. Je crois que c'est ma Boss Bijoux, les trois. Donc, que j'aime beaucoup. Et franchement, il ne bouge pas. Donc, il est... J'ai ma batterie qui clignote encore. Ah, satanée batterie. Donc, il est midi moins 20. Je vais finir de me faire à manger. Et après, je vais aller râper mon... je vais aller râper mon savon, tout simplement, pour pouvoir mettre dans mes tiroirs. Donc, comme je le fais souvent, je le fais une fois par an, je crois, une fois par an, une fois tous les 2 ans. Donc, j'ai jeté tous ceux qu'il y avait. Donc, j'ai racheté des petits pochons. Les petits pochons viennent d'Action. Et je râpe le savon. Là, j'ai pris du Dove, ce qui sent bon. Et je vais le râper et je vais le mettre dans les petits sachets. Et je vais le mettre dans les tiroirs de ma commode pour le linge. Et du coup, ça parfume le linge. Vous ouvrez la commode, ça sent toujours très bon. Donc, je change la batterie et je vous reprends tout à l'heure. My phone, yeah, 3 o'clock in the morning. We've been going and going back and forth because we don't know better. Je vous reprends, il est 3h moins le quart et regardez qui est de retour. Voilà, il est rentré, donc je viens d'aller le récupérer au bus. Donc bon, bah, ce séjour s'est bien passé malgré qu'il ait été court, mais bon, il a apprécié, c'est le principal. Donc on va faire le rangement des valises, etc. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle journée. On est jeudi, il est presque 11h. Je viens de finir de me préparer, j'ai également tourné quelques rushs pour futures vidéos. Hein, comme je vous l'ai dit, je prépare. Donc oui, c'est très chargé aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose de très smoky. Alors, je vais m'approcher un petit peu, je ne sais pas si vous verrez. J'ai utilisé en fait mon petit duo, pareil, que j'ai utilisé je crois hier. La Norvina et la Monster Matte. Donc j'ai utilisé que les fards mat de cette palette. Et pour le magnifique bleu qui est ici, j'ai utilisé, hop là, le fard Décap. Donc ici, qui est juste ici. Et j'ai rajouté par-dessus des paillettes, des glitters gel comme ceci de chez Urban Decay. Celui-ci, c'est le Party Monster. Est-ce qu'on va les voir? Oui, on les voit. Et j'ai mis également en premier des glitter liner qui étaient de chez Miss Cop que j'avais acheté je ne sais plus où. Donc voilà ce que j'en ai fait. Vous verrez peut-être plus en lumière du jour au rez-de-chaussée. Et pour les lèvres, comme j'avais bien chargé les yeux, eh bien j'ai mis juste un gloss de chez Stila qui est le Kitten. Voilà. Au niveau des petits bijoux, c'est du Mabox bijoux. Ici, c'est une paire de boucles d'oreilles. Je ne mets rien au deuxième. J'essaye de pas trop mettre grand-chose sur les oreilles parce que j'ai les oreilles super sensibles du coup avec le piercing. Celle-ci, ça va. Mais celle-ci est un petit peu plus douloureuse. Bon, en même temps, ça fait que... je fais mardi 11h, mercredi, jeudi. Ça fait que ça fait quasiment que 2 jours. Donc, faut le temps que ça cicatrise. Hein. Et cicatrisation complète au bout de 3 mois. Et j'ai 15 jours à désinfecter. Donc, c'est pas pour rien. Donc là, je vais m'apprêter à tourner le tiroir beauté, je pense, pour la semaine. Donc... Là je vais m'apprêter à tourner le tiroir beauté. Je vais faire d'abord mes petites photos pour Instagram. Et Enzo a très bien dormi. Il s'est levé, c'était quoi, 10h30, 11h moins le quart je crois, 10h30. Donc il s'est couché à 22h30. Donc il a fait 12 heures de sommeil. Donc il était cuit hein. Hier soir il s'est endormi après le goûter. Il s'est mis dans sa chambre, dans son lit. Il s'est endormi donc jusqu'à 19h30. Je crois qu'il a dormi 2-3 heures là hier après-midi. Donc voilà, c'est franchement, ils sont cuits, hein, très peu de sommeil en peu de temps comme ça et beaucoup de transport, ben, voilà. Donc, pour en plus aucun contrôle au port de Ouistreham, l'arrivée, donc finalement c'est du grand n'importe quoi. Enfin, c'est la psychose, les gens sont complètement dingues, il paraît que les gens ils vident les magasins. Je dois aller faire mes courses demain matin, j'espère qu'il va y avoir des choses dans les magasins, dans les rayons pour aller faire mes courses, je l'espère. Donc j'ai également, je vous montrerai, j'ai également reçu, je vais tourner, puis j'ai également reçu enfin mes bagues.
J'ai poussé un petit coup de gueule, j'ai appelé le 36-31 ou le 31-36, je sais plus, de la poste hier. Je lui ai dit que c'était du foutage de gueule, qu'on me disait que l'article était livré et qu'il n'était pas livré. Elle me dit oui, on va faire une enquête, et comme par hasard, hier après-midi, un facteur est passé à 14h30 pour m'apporter ce colis-là. Donc franchement, c'est du grand n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Donc j'ai préparé tous les petits articles, j'ai déjà préparé pas mal sur mon plan de travail pour pouvoir tourner le tiroir beauté, et je pense que je vous retrouve tout à l'heure pour vous présenter les bagues parce qu'elles sont sublimes. Et j'ai autre chose à vous présenter, oui j'ai reçu aussi la Jacqueline Link volume 2, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc je tourne et je vous retrouve tout de suite. Voilà, le tiroir beauté est tourné, il est midi moins 10. Voilà, je vais aller me débarbouiller, ce qu'il y en a partout, je vais ranger tout ce qu'il y a un petit peu sur mon plan de travail pour pouvoir remettre dans la boîte tout ce qui va concerner le tiroir beauté du mois de mars. Et je vous retrouve au rez-de-chaussée pour vous faire voir les deux petites bagues de la boutique de Lulu. D'ailleurs, il faut que je lui envoie un petit message pour lui dire que j'ai reçu les produits. Enfin, 15 jours ça a mis, non mais c'est un truc de ouf, la poste, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Allez, j'en ai partout. Donc je vous reprends, il est quasiment 14h. Il va falloir que je range le bazar qu'il y a sur la table, il y en a partout. Donc je vous reprends, il est 14h. Finalement j'ai tourné une autre vidéo. On a un petit peu cassé la croûte avec Enzo. Et le facteur a sonné, il m'a dit j'ai plein de colis pour vous. Il peut pleuver des cordes, il était avec mon écharpe comme ça. Et lui il était dans la voiture, il me dit j'ai plein de colis pour vous, il y a des gros et tout ça. Ok, je prends. Et comme Enzo il attend des vêtements, comme je vous l'ai dit, pour son anniversaire, on y a pris plein de vêtements sur AliExpress et ça tarde à venir. Donc j'ai reçu quelques pièces, donc là il a eu un petit peu la primeur de voir les pièces, mais sinon les autres il les verra pas. Donc j'ai reçu des choses déjà hier. Comme je vous l'ai dit, j'ai enfin reçu mes produits de la boutique de Lulu. J'ai appelé le 36-31 comme je vous l'ai dit, j'ai râlé. Et comme par hasard, hier après-midi, je vois le postier qui revient avec un colis. Donc, enfin, il faut que j'y envoie un petit message. Donc, c'est toujours super bien emballé. On avait un petit carambar qu'Enzo a mangé hier avec la petite carte, la boutique de Lulu. Chaque petit bijou est emballé. Les bijoux sont emballés dans ces petits pochons. Et chaque bijou est emballé avec le petit logo la boutique de Lulu, comme ceci. Donc, j'ai pris deux bagues. Je crois qu'elles étaient... j'en ai eu pour 34 euros, je crois. Donc, c'était entre 12 et 13 euros, je crois, à pièce. Alors, je vais vous enlever. Donc, on a déjà cette première bague. Elles sont toutes réglables. Donc, on a déjà celle-ci. Regardez-moi comment elle est belle. Noire. Elle est magnifique. Vous voyez, elles sont réglables. Elle est toute ciselée au niveau du... Je ne sais pas si on va voir. Elle est toute ciselée. Elle est vraiment très, très sympa. Donc, je peux la porter avec celle de ma box bijoux, par exemple. Comme ceci, en accumulation, voilà. Et la seconde que j'ai pris, c'est celle-ci. La seconde que j'ai pris, c'est celle-ci avec un cabochon. Elle était disponible en plusieurs couleurs, celle-là. Donc pareil, je crois qu'elle était à 12 ou 13 euros, 13,90 ou 14,90, je sais plus. On ne fait pas le focus, voilà. Et il y a un genre de, voilà, donc vraiment très sympa. Donc ça, c'est pareil en accumulation. Donc celle-là, par contre, il faudra que elles sont réglables aussi. Il faut que je l'agrandisse un petit chouille, voilà, ça va être mieux. Et par exemple en accumulation avec également une de chez ma box bijoux, c'est très sympa également. Donc je suis ravie de mes petites bagues, mes petits achats. Bah tiens, je vais conserver la blanche, donc ça c'est top. Donc je vous remettrai le lien à la boutique en barre d'infos. Il y a vraiment de très très jolis bijoux, c'est pas excessivement cher et ce sont des bijoux, je crois, qui sont en acier, donc ça bouge pas. J'ai fait la commande, je sais plus quand, et j'avais trouvé un code promo. Donc si j'arrive à vous remettre le code promo dont j'ai bénéficié, il doit être valable tout le temps. J'ai pris donc la volume 2 de Jacqueline Morphe Brush. Donc il marque qu'il y a des fards à paupières et des pigments pressés qui ne sont pas pour les yeux. Mais bon, j'utilise, c'est une palette pour les yeux, j'utilise pour les yeux. Donc c'est la volume 2 de chez Morphe Brush en collab avec Jacqueline Hill. Donc, oulala, je ne l'avais même pas encore ouverte. Donc, c'est dans les tons rose, rouge, brun, jaune. Vraiment très, très joli. Ouais, vraiment très sympa. Donc, oula, il y a un rouge, là, le Living My Best. Oh, il est rouge, mais il y a des paillettes, j'ai l'impression, dedans. Je ne sais pas si on va voir ici, juste ici. Est-ce qu'on va voir les paillettes? Non.
Ouh le 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 le. Bon, et ben hâte de tester ça. J'ai encore la, comment s'appelle, la pastel que j'ai pas encore testé. Ah oui, hein, j'ai qu'un face, hein, je suis désolée. J'ai qu'un face, qu'un visage, que voilà. Donc ça, c'est top. J'ai également, je vous avais déjà parlé, depuis que je l'ai, je le quitte plus, il me suit tous les jours. Mon sac à main, sac à dos, vous voyez, il fait sac à main. Il y a le sac à dos à l'arrière, de la marque Joseco, qui m'avait envoyé, grâce... Aïe, qui m'avait envoyé ce sac. Et franchement, il est trop beau. Il est fait un petit peu aspect rock. Vous aviez un petit machin ici sur le côté. Et ils m'ont proposé d'en recevoir un autre. Un autre sac à dos. Donc, je viens de le recevoir à l'instant. Donc, voilà, ça m'en fera. C'est par Amazon. J'ai reçu colis par Amazon. Donc, je pense que ça doit être par Amazon qui les envoie. Donc, la boutique, c'est Joseco, je crois. Donc, j'ai reçu un autre sac à dos. Regardez comment il est beau. Pareil, tout en cuir avec les lanières comme ceci. Donc, on a... une pochette, ah oui, bien, on a une pochette ici, regardez voir, une pochette là, ah oui, une petite pochette là sur le dessus, donc ça peut être sympa pour mettre, ben voilà, ça peut être très sympa ça. Ensuite on a des pressions pour fermer le sac, on a une pochette ici avec le sac, bien bien bien, on a la hanse à l'intérieur pour le prendre en bandoulière comme ceci. Et il est un peu fait sous le même principe en fait. Et à l'arrière, eh bien, vous avez pareil les bretelles et la petite pochette pour pouvoir accrocher. Alors attends, voir ça, oui, c'est pour la hanse. Donc les bretelles par contre sont fixes que l'autre. Les bretelles, on peut les enlever et les en mettre. Celles-là, elles sont fixes. Et eh ben, il est pas mal du tout. Hein. Ouais, ça fait. Il est très sympa également. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vous remettrai également le lien de celui-ci en barre d'infos également. Comme ça, vous aurez le choix sur les deux. Et très très joli. Il y en a même l'impression que c'est du tissu. Ouais, très très joli. Je suis ravie et franchement, ils sont de très bonne qualité. Je l'ai emmené en week-end avec moi à Reims et tout ça. Je suis toute dégoivée du coup parce que j'ai mis le truc sur la tête. Je l'ai mis, je l'ai emmené en week-end avec moi à Reims. Et il n'a pas bougé, super pratique pour, voilà, c'est vraiment ultra pratique ça, le sac à main comme ça, sac à dos. Moi, je fais quand même assez souvent du shopping, donc on a les mains libres, c'est vraiment top. Vous voyez, j'ai mis l'anse, ce qui permet de le prendre comme ça aussi. Des fois, moi, je le prends comme ça. Il est vraiment très sympa, hein. Vraiment très très sympa. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, j'ai reçu un petit colis du site. Je disais, il ne va pas y avoir grand-chose à mettre dans le vlog. Et puis, finalement, il y avait plein de choses dans la boîte aux lettres ce midi. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de vous montrer. J'ai reçu un colis du site Color Zen Makeup. Donc, de la part de Marie. Donc, Marie, merci, je t'en remercie de me faire confiance à chaque fois pour tester les petits produits. Donc, c'est regardez comment c'est super bien emballé. Il y a un petit mot. Donc, merci. Bah, j'espère qu'ils vont me plaire. Oui, je vais tester tout ça. Donc le site c'est Colors and Makeup, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc je vais ouvrir tout ça, il y a plein de petits confettis. Je suis en train d'en mettre partout les gars. Alors, elle m'a parlé qu'il y avait pas mal de nouveautés sur le site de la marque Wet n Wild. Donc vous savez que c'est une marque qui est petit prix et qui en général il y a des trucs assez sympas au niveau des produits, c'est quand même de la qualité. J'en ai quelques-uns des produits Wet n Wild, notamment les rouges à lèvres. Alors on a... Ouh là là, je vois des choses. Ouh là là, ouh là là. Ouh là 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 là. Magnifique. On a un blush... enfin, c'est le Hello Halo Blush Lighter. Oh, regardez-moi ça, je vais vous l'ouvrir. C'est trop beau. Donc ça, c'est la teinte After Sex Glow. Alors, on va ouvrir ça, essayer de l'ouvrir correctement. Oh là 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 là, la beauté. En fait, il y a deux fards à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vous mettrai les liens de ces produits-là en barre d'infos. Oh, regardez-moi ça, comment c'est beau. Oh là 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 là. On va tenter les swatchs. Oh, oh là là, regardez ça. Oh, regardez-moi ça, comment c'est beau et lumineux. Oh, j'ai hâte de le tester, ça. Bah, je le testerai, vous l'aurez sûrement demain dans la vidéo. Je vais tester les petits produits demain matin, je pense, dans le vlog. Donc ensuite, on a un Peach Me Pink, c'est un blush. Donc voilà, ce doit être des nouveautés aussi également de la marque Wet n Wild. C'est une couleur qui va aller parfaitement, je pense, à ma carnation.
Ouais. Oui, je pense que ça va être vraiment très bien. Je vais tester ça demain. Je vous prendrai avec moi demain matin. Alors, ensuite, on a... Ah, super, merci Marie. Dans ma dernière vidéo où j'avais testé les produits de chez... du site, j'avais dit que les pinceaux à émeraude, je recommanderais. Et là, on a un flat buffer. Donc ça, je pense qu'il peut être idéal pour mettre le fond de teint. Et c'est de la marque AM Rose. Et j'en avais déjà reçu deux ou trois pinceaux de cette marque-là. Et franchement, ils sont pas chers. Et ils sont d'excellents, excellemment bonne qualité. Mais alors, il est d'une douceur. Donc bah, ça, je vais hâte de le tester. Ensuite, j'en suis en train d'en mettre partout. C'est super bien emballé. C'est trop mignon. Ah oui, c'est vrai, elle m'a parlé qu'il allait avoir le soft focus. Je sais pas si je l'ai déjà testé, il me semble que si. Mais peut-être pas celui-là, je sais plus. Alors, c'est le fond de teint. Non, je ne l'ai pas testé celui-là, photo focus de chez Wet n Wild, puisque c'est plein de nouveautés de chez Wet n Wild. Donc, c'est le Dewy Lumineux. Donc, moi, je l'ai choisi en teinte Ivory, Soft Ivory. Donc, je pense qu'au niveau de la teinte, on va être bon. Fond de teint lumineux. Alors, check before. Ah, il n'y a pas de flacon pompe. Ça, c'est un peu chiant par contre. C'est une pipette comme ça. Une genre de spatule. Donc, à voir ce que ça donne. Bah, je le testerai demain. Je pense que je vous prendrai demain matin avant de me maquiller. Et puis, je testerai les produits avec vous demain matin. Ensuite, on a un autre produit de la marque Wet n Wild. C'est une base sérum primer. C'est un sérum hydratant. Alors moi j'ai la peau mixte à grasse, mais comme je poudre beaucoup après, c'est super frais. Ça sent super bon. Ça sent un peu le pamplemousse, j'ai l'impression, non? Non, pas du tout, Valérie, pas du tout. C'est à base d'extrait de thé vert et de rose. Alors, tout ce que j'aime, eau de rose et thé vert, c'est super frais. Ouais, ça sent très très bon. Ça a l'air de pénétrer en plus super rapidement dans la peau. Donc, hâte de tester ça demain matin. Et pour finir, ce petit colis du site Colors and Makeup, elle m'a mis Healthy Lips. Donc, toujours de la marque... Donc c'est la marque Physicienne Formula. Donc c'est un rouge à lèvres ou un rouge à lèvres ou un gloss. Non, c'est un rouge à lèvres velvet. Alors on va voir ce que ça donne. Parce que je ne les connais pas du tout, ces rouges à lèvres-là de chez Physicienne Formula. Je crois que je ne les ai jamais testés. Ah, les packagings. Qu'est-ce que c'est chiant les packagings, les gars. C'est du plastique en plus pour rien, les gars. Alors, il est très joli au niveau de la couleur. Ouais, ça sent bon. Ouh, joli! Regardez cette couleur. Bah, je testerai tout ça demain, je pense. Je ferai mon teint et tout ça avec vous demain matin. Et puis, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Je vais mettre ça de côté. Il y en a partout. Ensuite, je pense que je clôturerai cette journée-là, parce que sinon, le vlog va être trop long. J'ai reçu la Birchbox du mois de mars. Donc cette fois-ci, elle est un petit peu différente puisqu'elle est en collab apparemment avec le site Meuf. Meuf. Donc elle est un petit peu différente. Elle est en forme de boîte comme ça. Donc ça peut être sympa pour faire du rangement par exemple. Donc on a plusieurs, je pense, choses dedans. Alors, je crois que c'est le mois de la femme, le mois de mars. On célèbre la féminité. Un thème body positive. On part du corps en général, la féminité. Pour accompagner cette thématique, que Meuf Paris. Alors, Meuf Paris. Ah oui, c'est les t-shirts et tout ça à texte. Ok. Meuf Paris, d'accord. Ok. Donc, dans le petit livret, voilà, il y a tout ça. Donc, c'est pour mettre la femme en avant ce mois-ci. Ok. Et on a aussi Safe Love Club, 10 euros offert chez Meuf. Alors, dans le premier petit tiroir, je vais prendre ce qu'il y a dans le petit tiroir. On a un échantillon de parfum de la marque Lancôme. Ah,
vivant les gars, c'est vivant. C'est musc diamant. Donc celui-là, je n'ai pas encore tant senti, donc ça c'est bien. Ensuite, on a un petit savon, je penche. On a un savon à l'huile d'olive de la marque Olivos, fabriqué à la main, fait main, café turc et huile d'olive. Donc on a un shampoing de la marque Kérastase qui est pour les blonds absolus. Cheveux décolorés ou méchés, donc c'est pas pour moi, donc ça c'est un petit peu dommage parce que j'ai pas du tout mon type de cheveux. Donc ce shampoing là, je pense qu'il ira sur Vinted parce que voilà, ça sert à rien que je le garde. Et on a, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, un masque corporel à l'argile. Ah ouais, alors ça, je suis curieuse. De la marque 417 Absolute Mud. Alors, firming, donc c'est un masque chauffant pour le corps. Ah oui, alors attendez voir, qu'est-ce qui marque? C'est écrit en tout petit, on voit pas grand-chose. Argile naturelle. Je vais mettre la lumière sur le petit truc parce que je ne vois strictement que dalle. Attendez voir, lumière, Lumos. Ah, c'est mieux. Alors, argile naturelle et cosmétique de la Mermotte pour favoriser le neurillement cellulaire s'utilise en masque corporel partiel ou intégral et en massage pour rafraîchir et nourrir la peau. L'argile riche en minéraux naturels contribue à améliorer la texture de la peau. Moi, ce que je veux avoir, c'est combien? Alors, appliquez une couche généreuse et uniforme et laissez agir pendant 20 minutes. Rincez après application. Ouais, et ben ça, je suis curieuse. Ça vient d'Israël. Je suis curieuse de tester ce truc-là. On y va avec la lampe torche, les gars. Et pour finir, ah, chouette, un Matisteria de chez Arc-en-Ciel. C'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé je vous en parlerai, je crois, dans le tiroir beauté. D'ailleurs, le mauve oriental, c'est mon préféré. Et celui-ci, je ne l'ai pas. C'est génial. C'est le rose Mambo. Il est beau, il est trop beau. Et c'est rouge. Va me mordre. Ces rouges à lèvres sont vraiment top. Je crois que je ne l'ai pas, celui-là. Waouh! Ah ouais, ça pète, hein! Ouh là là! Donc, ça là pour le printemps-été, très sympa. Eh bien, ma foi, je suis ravie. Il y avait quoi en taux de produit 3 et 3? Non, il en manque un. Donc, ces 4 petits produits-là, j'ai hâte de les tester. Ça, un petit peu moins, là, cette marque-là. C'est dommage parce qu'on n'a pas de descriptif sur chaque produit. Donc, j'irai voir sur le site. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que moi, je suis très blonde, comme vous le voyez. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, ça, je pense que... Et le concept de petite box comme ça, ça peut être sympa. Donc, je vous mettrai à l'écran. Donc, je crois qu'elle est à 13,90 la box. Je ferai des petites recherches sur le site parce que là, c'est dommage. Dans le petit dépliant, il ne marque pas du tout les produits qu'il y a dans la box. C'est un petit peu dommage, je trouve. Et pour finir cette petite journée, puisque après là je vais aller boire mon thé, j'ai plusieurs lessives à faire et à étendre, puisque voilà, Enzo est rentré, donc il faut mettre tout ça à laver. J'ai reçu des petits produits de la marque L'Occitane. Les produits L'Occitane sont toujours bien emballés, le petit carton, on a toujours un petit mot, c'est super bien emballé. Donc ça tombe très bien parce que j'ai bientôt fini mon contour des yeux. Donc celui-ci c'est le... Il y a écrit en français quelque part, voilà. Il y a un Reset Nuit Sérum Regard à l'Immortel. Complexe botanique puissant associé à l'huile essentielle d'immortelle bio de Corse. Donc je vais vous ouvrir déjà celui-ci. Donc je vous avais présenté, je ne sais plus quand dans le dernier vlog, le petit truc là pour le baume à tout là. Bah, c'est super pratique. Donc j'en ai un à finir. Une fois que j'aurai fini, je pense que j'utiliserai l'autre. Mais pour les cuticules, c'est vraiment bien. Décidément aujourd'hui, c'est le bagarre. La bagarre avec les packaging. Alors. Ouh. C'est trop mignon! Oh là là, le packaging est trop beau! Regardez-moi ce packaging! Oh, c'est magnifique! C'est sublime! Regardez ça! C'est trop trop beau! C'est magnifique! Il y a plein de petites billes à l'intérieur! Je ne sais pas si on va les voir! Voilà, regardez toutes les petites billes qu'il y a à l'intérieur! Alors, ça se présente comment? Alors, en plus, flacon-pompe, moi j'adore! Quand c'est des flacons-pompe, j'adore! Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que je n'ai pas encore fini mon autre sérum. Et le deuxième produit, ah, c'est une huile de nuit. J'adore. C'est une huile en sérum, pareil dans la gamme Reset Nuit Immortelle. Effet peau neuve, ridule lissée, éclat. Ouh, ça se trouve, le packaging va être le même. Bah, j'ai hâte de tester ces petits produits-là.
Donc au fur et à mesure que je vais les tester, hein, vous les aurez bien entendu dans les tiroirs beauté, je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure. Comme vous savez, je n'ouvre pas 40 000 produits en même temps, je les fais, je les termine. Ah pareil, le packaging, c'est super beau. Oh là là, regardez, c'est le même packaging. Et on voit exactement les petites billes d'huile essentielle, je pense, dedans. C'est trop beau. Voilà, les packagings sont magnifiques. Donc franchement, très 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 joli packaging. Hâte de tester ces deux petits produits-là. Donc voilà, je vais ranger un petit peu tout le bazar ambiant, là. J'en ai un peu partout, je vais aller faire mes lessives, etc. Et je pense que je vous retrouve demain matin, enfin pour vous tout de suite, pour tester les petits produits du site Colors & Makeup. Je vous les mets déjà de toute façon dès maintenant en barre d'infos. Et puis, alors on est... Quel jour qu'on est? On est vendredi. Il est 10h. C'est pas la grande forme ce matin. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête. Bon, je pense que j'ai attrapé froid avec le facteur hier, là. Alors, il faisait tellement... Je crois que je suis sortie comme ça, il pleuvait pour aller chercher les colis. Et j'ai le nez plein, la gorge gratouille. Enfin, c'est pas génial. Donc, j'ai déjà fait mon teint. J'ai utilisé le pinceau que je vous ai parlé hier. Oh, je suis soufflée, j'ai été chercher la caméra très vite en bas. Le 101, le flat buffer Emerose pour mettre le fond de teint. Donc, j'ai mis vraiment un fond de teint très basique ce matin parce que je ne vais pas faire un grand make-up. Je vais mettre juste du mascara et du rouge à lèvres. Donc, je vais tester le rouge à lèvres que j'ai reçu hier. Donc, j'ai mis celui-ci de chez Dr. Pierrico. Je testerai avec vous... le Wet n Wild, je pense demain ou lundi. Parce que j'ai pas la foi là. C'est pas le top. Ça me tire au niveau des bronches. Donc je pense que je vais me doper aux huiles essentielles aujourd'hui. Donc c'est le sérum de teint effet rajeunissant chez Dr. Pierrico. Et moi c'est la teinte beige clair. Voilà. Donc j'ai mis ça pour le teint. J'ai fait mon contouring. C'est ma poudre qui est en train de poser. Mais il est vraiment bien. Je trouve qu'il est pas mal. Comme donc c'est le 101. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. De toute façon, vous les avez eus hier. Je vais tester le blush donc de Wet n Wild. Celui-ci, c'est le Pinch Me Pink. Donc, je vais tester le blush. Je disais... bon, je pense que pour les carnations claires, celui-ci va être très bien. Ouais, très joli. Il est léger. Donc, voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un grand make-up. Donc, pour les make-up légers, ça peut être très sympa. Ça fait un petit coup de frais quand même. Pas mal du tout. Ouais. Donc je vais mettre mon petit plumper. Donc vous voyez, ça fait quand même, c'est frais. Ouais. De chez Pixi. Et après. Ça va plumper un petit peu le temps que je fasse l'highlighter, etc. Je vais prendre ma petite éponge de chez Action. Je vais mettre un petit peu d'highlighter crème. Donc en ce moment je suis en train de finir celui-ci de chez ELF. Ils sont toujours disponibles, j'ai vu que c'était encore dispo. Donc en fait je viens mettre mon éponge mouillée dans les trois. Hein, et je viens tamponner après en fait, ce qui me fait une base d'highlighter. Vous voyez, c'est vraiment déjà... je pourrais laisser comme ça. Mais ce qui permet en fait que l'highlighter ne bouge pas de la journée. Ça tient toute la journée. On peut faire ça aussi avec les highlighters liquides de chez Makeup Revolution. C'est pas mal aussi. Enfin tout type d'highlighter liquide. Hein. Donc ensuite je vais mettre un des deux, je pense le doré là, que je vous ai présenté hier, c'est l'After Sex Glow de chez Wet n Wild, qui est le Hello Halo, Hello Halo. Donc je pense que je vais mettre celui-ci de ce côté-là. Alors je vais prendre quoi comme, je vais prendre un des pinceaux de chez Sephora, de chez Sanana, c'est le S3. Ouh là 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 là. Oh, très très joli. Oui, très très joli. Sublime. Magnifique. Donc après je repasse un petit coup de plus gros pinceau pour un peu estomper. Oh, très joli ça. Ouais. Alors si vous aimez l'highlighter, il est magnifique celui-ci, c'est un genre de champagne, très joli. Donc je pense que je testerai l'autre un autre jour. Et là je vais reprendre en fait un petit peu de pinceau. Je vais estomper mon contouring là, de chaque côté. Et je vais passer un petit coup de pinceau juste là. Donc, voilà, mon teint est fait. Franchement pour le teint c'est pas mal du tout. Donc je pense que je testerai les deux ensemble demain ou... de toute façon, vous l'aurez dans le vlog de toute façon.
Je vais finir les yeux, je vais juste mettre un petit peu de mascara, faire mes sourcils et je vous retrouve pour le rouge à lèvres qui est le Velvet Finish au fini velouté. C'est la teinte Coral Minéral que je vous ai présenté hier. Donc je finis tout ça. Je vous mette encore une autre paire de boucles, une autre boucle d'oreille. Et ce matin là j'ai mis une des bagues de la boutique de Lulu. Celle-là, la noire, avec une de ma box bijoux. Ici c'est une petite bagousse de chez AliExpress. Ça c'est une montre connectée que je vous parlerai dans le prochain haul AliExpress. Je suis en train de la tester. Et un petit bijou, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais mettre des petites boucles d'oreilles. Parce que comme là on va aller faire les courses, quand j'ai une grosse écharpe ça a tendance à accrocher. Donc comme j'ai les oreilles un petit peu sensibles avec les piercings, j'ai mieux dormi cette nuit. J'ai pu dormir sur les deux côtés. Donc voilà, au bout de deux nuits. Voilà. Et j'ai quand même celle-ci qui est un petit peu plus sensible. Celle-ci, elle me fait quasiment plus mal, mais celle-ci, elle est un peu plus sensible. Et je crois savoir pourquoi. Parce qu'en fait, quand j'étais en salon de coiffure, quand j'étais en apprentissage coiffeuse, j'avais les cheveux très très courts et pendant un des cours j'avais dit à une copine, vas-y coupe-moi un petit coup la nuque, fais rafraîchis-moi un petit peu la nuque. Et elle a fait tellement vite qu'elle m'a coupé un bout d'oreille, j'avais un bout d'oreille qui pendouillait. Donc c'est pour ça que là j'ai une bosse de ce côté là. Donc je me demande si c'est pas à cause de ça que c'est un petit peu plus sensible ou pas, je sais pas. Enfin bref, donc je vous retrouve quand j'ai fait les sourcils et le mascara. Et on vous se retrouve pour les lèvres, comme ça mon petit plump de chez Pixi va avoir le temps un petit peu de faire effet. Donc voilà, j'ai fait les sourcils et le mascara. Le mascara, j'ai mis le size up de chez Sephora que j'aime beaucoup. Je vais pincer mes lèvres pour enlever l'excédent de plump. Et je vais passer à celui-ci donc de chez Physicien Formula. J'en ai jamais testé de cette marque-là. Ça sent bon. Applicateur, c'est bien. Voilà ce que ça donne, il est vraiment très joli. C'est un genre de pêche. Il ne fait pas de filament, il ne colle pas. Donc à voir s'il se matifie, à voir comment il va tenir sur la journée. On va voir ça ensemble. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Donc, toujours cet œil là. Je pense que j'essaye de faire pas l'extension, mais la permanente de cils là, etc. J'ai mis en boucle d'oreille, hop là, ça rebique. J'ai mis celle-ci de chez ma box bijoux. Ça, c'était une de chez AliExpress. Voilà, voilà. J'ai ma petite veste en jean qui est juste là derrière que je vais mettre. Et puis là, avec Enzo, on va aller ouvrir les colis d'abord dans un premier temps. Là, il y a quoi, une petite demi-heure qu'il est levé. Ça va le faire sortir un petit peu là parce que il hiberne là. Il a passé sa journée hier. Couché dans sa chambre là, je lui dis c'est bon aujourd'hui tu vas prendre l'air. Donc, du coup il va venir avec moi. On va aller d'abord au relais colis. J'ai 4-5 colis Vinted et aussi une commande Shein que j'avais faite. Et puis finalement il n'y a qu'un seul article que je garde parce que les autres c'est soit trop grand, soit trop long, soit. Et il y a un big haul Shein qui va arriver. Je pense que milieu du mois, peut-être la semaine prochaine, je crois. 9, ouais, c'est ça, la semaine prochaine. Il me semble, je sais plus trop, mais ça va arriver. Donc il faut que je le filme. Je pense que je vais filmer ça demain matin. Le haul Shein, ça a tendance à se matifier un petit peu. Voyez. Donc je pense qu'il va être mat. Il va être mat. Donc, et puis après on va aller faire les courses. On va aller à Aldi. En espérant qu'il y ait des choses dans les rayons. Parce que j'ai vu des stories. Ah. Bon, j'ai mis la veste entre temps. C'était un livreur. Ça a sonné, c'était un livreur GLS, des petits colis. Donc je vais voir ce que c'est. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Ouais, il est matin. Il se matifie. Donc c'est pas mal. Je vous retrouve au rez-de-chaussée, je vais mettre les chaussures et c'est parti. On vient de rentrer, il y a un magnifique soleil. Il fait pas très chaud, mais il y a un magnifique soleil. Bon, j'allais être toujours là, il est bien mat. On vient de rentrer, il est 12h05. Donc je suis allée déposer mes colis au relais. J'en ai encore deux à déposer demain. Dans celui-là, comme c'est tellement petit, j'y vais avec parcimonie, on va dire. Je vais aller nettoyer mon nez tout à l'heure. Donc, voilà. Résultat des courses. Donc, je vous dis très brièvement ce que j'ai pris. Donc, voilà, j'ai trouvé le jour d'arrivage des tulipes. Donc, c'est le vendredi. 1,99€ les deux bouquets. Donc dès que j'arrive, je les mets dans un petit peu d'eau. Et après, je vais me faire mon bouquet. Je vous montrerai ça.
Donc j'ai pris des yaourts, des liégeois, la lessive était en promo, j'ai repris des biscottes. Enzo a voulu tester ça pour ce midi, c'est une genre de mini pizza ou chose comme ça. Des lardons, une pâte à pizza, il s'est pris aussi un sandwich, voilà. Hein, vous savez, ça mange un ado. Des baguettes que j'ai repris pour mettre au congèle. Des yaourts au soja, ceux-là ils sont bons, aux fruits rouges, je les aime bien. Du mélange pour la salade, des filets de limande, j'aime bien ceux-là moi pour le soir. Des spéculoos, du gruyère, des steaks hachés, ça sera pour ce soir avec les potatoes qui sont déjà au congèle. Du jambon, du bacon, des BN, enfin des biscuits pour le goûter. Enzo s'est repris des rouleaux de trucs là pour corriger. J'ai repris du fromage pour le chéri, ça pour mes porridge, du jambon à poêler. J'en ai pris 3, il y avait des terrines à 99 centimes. Terrines du bocage, donc au cognac. Les autres, elles sont là dans les sacs. Il y a des bananes, quelques pâtes, des pains au lait, des courgettes. J'ai repris des boulettes pour faire des avec sauce cacahuète tomate. J'ai repris de la levure chimique. Ça, j'ai pris ça pour moi ce midi parce que j'adore ce truc-là, le parmentier de poisson. Des petits gâteaux apéritifs, des chips. J'ai pris également ce pain-là qui est du pain au maïs. Il est encore tout chaud, tout frais. Mon mari l'a testé aux graines et au maïs. Il aime beaucoup. J'en ai pris 3, 4, 5. Et j'ai pris aussi des pains au chocolat. Ça va aller au congèle. Comme ça, quand on a un petit peu de monde pour le petit-déj, en général, j'en achète d'avance. Donc voilà un petit peu. Et puis là, c'est pareil, pain au lait, ravioli. Donc, il manquait quand même pas mal de choses dans les rayons. Donc, mais tout ce qui était pâte. Bon, il n'y avait plus de riz, il n'y avait plus de semoule. Il n'y avait plus tout ce qui était conserve. Genre ravioli, cannelloni, haricots verts. Enfin, tout ça. Tous les plats préparés en conserve, il n'y avait plus. Il y avait des choses qui manquaient quand même, mais bon, il y avait quand même des œufs, de la farine, il y avait quand même de tout. Donc ça va, ils n'ont pas vidé tous les rayons à Aldi. Donc je vais ranger tout ce bazar. Et puis je vous retrouverai tout à l'heure parce que là, comme vous le voyez sur la table, j'ai reçu un petit colis juste avant de partir. Un petit colis avec des nouveautés L'Oréal. Donc je vais vous les swatcher et je vous les porterai au fur et à mesure dans les vidéos. Ce sont les nouvelles encres à lèvres, s'il me semble. Ça c'est l'encre à lèvres laquée. Les brillants signatures, donc c'est une nouvelle gamme. J'ai oublié de mettre des pinces, ça bique. Donc je vais ranger tout ça, j'ai fait tomber la veste où j'avais chaud. Je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout à l'heure après manger je pense pour vous présenter les petits rouges à lèvres. Cause we don't know better, and I thought we'd be different. Yeah, we were onto some good shit. We keep dancing with the devil, but he doesn't have a back, no. Should be pulling. Bonjour, bon, il est 14h, on a terminé de manger, etc. Petit point sur le rouge à lèvres. Bonne tenue, quand même. Bonne tenue. Je me suis fait un petit thé, enfin, une petite infusion. Donc je vous disais que j'ai reçu un colis avec des nouveautés de la part de L'Oréal avec la plateforme 1026. Donc merci à eux pour pouvoir que je les teste. Donc c'est les nouveaux brillantes signatures. C'est une encre à lèvres laquée, ultra légère, une signature mémorable, une texture imperceptible, des pigments haute intensité, un applicateur calligraphique ultra précis pour un tracé parfait. Donc a priori il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 coloris. Donc voilà, brillance, longue tenue, texture, seconde peau. Et avec, il y avait un joli petit béret, un béret rouge. Ça va aller parfaitement avec mon manteau, c'est top. Avec où c'est écrit brillant. Donc ça, c'est très sympa. Joli petit béret. Donc je vais vous les swatcher. Donc, moi, j'ai reçu 4 teintes. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous les avez en rangement, dans vos rangements debout comme ça, la couleur est sur le dessus. Donc je trouve ça mieux qu'aux fesses. Donc on a déjà la couleur 312, le Be Powerful. Alors on va regarder comment ça se présente. Donc c'est, le packaging est très sympa. Si vous pouvez voir, c'est, on dirait un stylo. C'est pas mal du tout. Au niveau de l'odeur, ça sent bon. Au niveau du paquet de l'applicateur, parce que ça va me faire le focus, on a un embout comme ceci. Donc qui est un petit peu en forme de, vous voyez, un peu coquillage comme ça. Ça sent bon. Ah oui, c'est frais. Donc ça, j'ai dit que c'était la teinte 312 Be Powerful. Donc voilà la teinte.
Donc je l'ai testé hein, de toute façon au fur et à mesure dans le vlog, dans les vlogs. La teinte Be Successful, c'est la 314. Ouais, ça m'a l'air quand même super léger au niveau de la couleur. C'est vraiment entre le gloss et le rouge à lèvres, je dirais. C'est vraiment entre le gloss et le rouge à lèvres. Donc voilà, la teinte, c'est quand même assez fidèle au niveau de la couleur. Ensuite, il y a celui-ci qui est un petit peu un corail. C'est la teinte Be Brilliant, le 311. Un peu un corail. C'est assez proche hein, quand même les teintes. C'est assez fidèle quand même. Et la dernière, c'est la Be Hot Standing. C'est la 302. Mon accent anglais est au poil de sa perfection. Et c'est le... Celui-là est beaucoup plus léger, je dirais, en couleur. On va voir ce que ça donne sur les lèvres. Voilà ce que ça donne. En tout cas, c'est ultra brillant, ultra glossy. Donc, à voir ce que ça donne sur les lèvres. J'ai hâte de les tester pour vous en dire un petit peu mon avis. Donc, je pense que vous aurez les teintes portées au fur et à mesure. Et puis, vous aurez un avis un petit peu définitif. Donc, vous pouvez les retrouver sur le site de L'Oréal. Il me semble qu'il y a un code promo. Je vais vous dire ça de suite. Donc, il y a un code promo qui est le code signature qui offre la livraison gratuite, une trousse des trois produits achetés, dont un brillant avec le code signature. Donc j'ai fait mon petit bouquet qui est sur ma table basse là-bas. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais vous faire voir, c'est plus simple. Voilà, j'ai fait mon petit bouquet de fleurs. Là, il faut que j'aille mettre mes déchets au recyclage à la poubelle avant d'aller chercher le courrier. Donc voilà, mon petit plaisir de la semaine. Donc je sais que maintenant c'est le vendredi. À chaque fois je les loupe et c'est le vendredi chez Aldi, dans mon Aldi. Donc voilà, il y avait des roses aussi, mais là 1,99€ les tulipes. Les tulipes, ça va faire la semaine, je pense. Petit programme de l'après-midi. J'ai fini ma compta hier. Oui, je vous ai pas pris de l'après-midi hier. J'ai fait toute ma compta. Je vais aller me remettre un petit coup de shit dans le nez et prendre une petite pastille pour la gorge. J'ai encore plusieurs colis à faire pour Vinted. Ils sont ici. Qu'est-ce que je voulais dire, je vais aller mettre les déchets recyclage et je vais appeler aussi Veolia parce qu'on a reçu notre facture d'eau et depuis le mois de juin on a consommé 0 mètre cube, donc il y a un petit problème quelque part les gars. Donc mon mari a relevé le compteur hier soir et je vais les appeler, comme ça on va voir si je leur transmets le relevé de compteur, parce que non, et en fait ils nous ont fait une irrégulière, on nous remboursait tout ce qu'on a, parce qu'on est mensuel, on est mensualisé, on nous remboursait tout ce qu'on a payé cette année. Et depuis le mois de juin, mais je comprends rien. Donc je vais les appeler, il y a encore dû avoir un cafouillage, ils nous ont remplacé les compteurs je sais plus quand, au mois de novembre je crois, donc il y a eu encore un bins. Donc ça n'a pas l'air de trop sécher, c'est pas mal, je vais faire une petite photo sur Instagram. Et puis nous je pense qu'on va se retrouver demain pour une nouvelle, demain on est quoi, on est samedi? Oui demain peut-être que je vloguerai un petit peu, je sais pas encore, en général le week-end je vlogue pas trop. Donc sûrement peut-être lundi, je sais pas trop, enfin vous, pour vous tout de suite. Hein. Allez, tout de suite. Je vous prends, on est samedi, il est, quelle heure est-il? Il est 19h15, je vous reprends là aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de vous prendre du tout de la journée, j'ai une journée super chargée. Donc je pense que ça va, c'est ce qui va clôturer ce vlog. Donc j'ai reçu un petit colis de la marque Whoopcase, je vous en avais déjà parlé, j'avais fait faire une coque pour moi, pour mon téléphone avec le drapeau portugais, c'est des coques football et mon chéri me jalousait, me disait oui moi aussi j'aimerais bien ma coque. Donc j'en ai fait faire une pour lui parce qu'il a changé de téléphone, donc maintenant il peut en avoir une. Donc il n'a pas pris la même couleur que la mienne, il a pris avec le drapeau Portugal mais celui le vert. Donc elle a mis son prénom et sa date de naissance. Et vraiment elles sont de très très bonne qualité, les bords sont très très hauts, ce qui permet que si ça tombe eh bien l'écran est protégé, même les contours. Et vraiment elles sont de très très bonne qualité. J'ai un code promo pour vous si vous voulez, je vous le mets juste à l'écran et je vous le mettrai en barre d'infos. Elles sont de très très bonne qualité, donc maintenant voilà, on a chacun notre coque. Donc la mienne est sur mon téléphone qui est au rez-de-chaussée, donc je ne peux pas vous la montrer, mais vous l'avez déjà vu dans un autre vlog, je vous remettrai ici en petite fiche si vous ne l'avez pas vu. Et j'ai également refait maison, j'ai refait une pause à l'américaine ce matin. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos pour les coques. Elles sont personnalisables, donc il y a les maillots de foot, et vous pouvez personnaliser avec des photos, enfin plein de choses. Donc si vous voulez faire des cadeaux, il y a la fête des mères, fête des pères qui arrive bientôt. Très bonne idée.
Je disais donc, oui, j'ai refait ma pause à l'américaine. Bon, je ne sais pas si on va voir grand-chose ici. Je vais essayer d'allumer une lumière. De toute façon, je vais vous faire voir ce que j'ai utilisé pour ça. Voilà, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un dégradé avec plusieurs couleurs fluo. Et dessus, j'ai fait du stamping. Et j'ai refait une pause à l'américaine. Donc, cette fois-ci, j'ai essayé un petit peu plus long. J'adore quand il y a de la longueur comme ça. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai utilisé. Donc, ouais, mon petit coin, comment dire, manucure, franchement, je kiffe. Là, il faut que j'aille vider la ponceuse. Elle est vraiment très bien. Une d'entre vous m'a dit si j'avais peur d'acheter des choses sur AliExpress au niveau électronique. En général, quand je reçois le produit, j'essaye de le tester et au bout d'une semaine, je valide la commande ou pas. Et en général, je crois que vous avez 15 jours, si même quand vous avez validé la commande, s'il y a quoi que ce soit. Mais bon, vraiment, c'est pour... Ce type de produit, ça vient d'AliExpress, enfin, ça c'est chinois, ça c'est, il y a la même chose sur AliExpress, ça c'est pareil, vous trouvez tous ces produits-là et vraiment ils vont autant de temps que si vous les achetiez à plus cher. Donc j'ai mis ma petite serviette, vous voyez que j'ai acheté chez Action, je vous ai présenté, où vous allez voir dans le haul prochainement Action, je sais plus si, dans quel sens sont les vidéos. Alors j'ai mis de Madame Glam, j'ai mis donc cette teinte-là, la teinte qui est moins de choses, voilà. Ce magnifique entre le rouge et le bordeaux, et c'est la teinte Sensual Healing. Donc, l'avantage de ces vernis semi-permanents, c'est que ça fait la base, ça fait la couleur et ça fait le top coat. Donc, ils sont vraiment très très bien, ils ont une bonne tenue. Ensuite, pour les vernis fluo, donc où j'ai fait mon dégradé avec une mousse. Alors, attendez, ça, je l'ai jetée puisqu'elle était toute. Voilà. Donc c'est sur une petite mousse comme ça, éponge maquillage, que je suis venue tamponner. En plus, ça n'est pas sèche, j'en fous partout. Les gars. Je suis venue tamponner en fait plusieurs fois avec la couleur. Ensuite, j'ai catalysé entre chaque couche et j'ai mis une couche de Quick Finish. Et je suis venue faire du stamping avec du vernis stamping Nicole Dierick, pareil que vous trouvez sur AliExpress. J'essaierai de vous mettre tous les liens de ces produits-là. Avec deux plaques de stamping. Donc dans un premier temps la BPL 054. D'ailleurs vous m'avez demandé quel numéro elle était sur AliExpress, sur les plaques. Donc j'ai utilisé ce motif là et en fait j'ai mélangé avec un autre des petits motifs pour faire ça. Et sur la plus grande, sur ce doigt là, j'ai utilisé ce motif là et c'est la BPL 027. Je vous les mettrai en barre d'infos. Et sur l'autre main, eh bien j'ai fait deux doigts différents avec les mêmes motifs. Ça va pas me faire le focus parce que ça me fait le focus sur autre chose. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et vraiment, c'est cette pose américaine, c'est super rapide. Et j'ai fini tout ça avec du quick finish de chez Ongle 24. D'ailleurs, j'ai acheté le primer que j'ai. Je pense que je vais m'en racheter. Mais il est où le primer? Il est où le primer? Voilà. Non, la base. Night prep. Le primer, oui, j'ai celui-ci, le primer Ultra Bond Primer, mais il brûle. Alors, je regarde si j'en trouve un. Je ne sais pas s'il est sans acide ou pas. Donc, on verra. Donc, voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ces quelques jours avec moi vous ont plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos et d'autres vlogs et peut-être des vidéos bonus. Ciao, ciao!